Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on poursuit notre let's play de Darksiders 2. Bon allez, on va continuer un petit peu chez les anges. Action, on va rentrer. Qui nous envoie un coffre là. C'est à l'extérieur, c'est par en bas. Oh non, c'est là. Très bien. S'ils ont droit à la corruption. Ah. Toute résistance est inutile. Oh mais lâche le. Le cavalier approche. Pas terrible, c'est un trop long. Ça m'a rien filé en fait. C'est de la daube. Alors ça peut me faire exploser quelque chose. Et plus bas il y a quelque chose là. Ah non, je peux redescendre ici, d'accord, c'est tout. Là j'ai quelque chose. Hop là. On se prend une petite popo. Faire exploser, mais là-bas c'est loin. On peut aller avec jusqu'à là-bas. Ouais, ça va pas le faire ça. Je dois continuer seul. Eh oui, y'a vraiment rien là-bas? À quoi ça me sert ça, si je suis là? Bon, je puisse faire exploser ce truc, hein, c'est possible. Ok. Étonnant parce que... Habituellement effectivement il y a une différence quand même.
quoi, je sais pas. Je vais retourner là-bas. Et effectivement, ça manque de bombes. Il focus au milieu, lui, je sais pas pourquoi. Bon, après, si j'éclate ça... Ah oui, si j'éclate ça, je vais pouvoir passer par ici. Ah oui, donc il me faut, hein. À moins que je puisse passer entre les deux, là-bas. Il y a ces trucs là-haut là, vraiment je sais pas ce que c'est ça. Pas attrapé, je peux rien faire. Je peux grimper nulle part avec ça. Comment faire? Comment faire? Comment faire? À moins que je me mette là, que j'attrape d'ici. Je peux faire ça? Non, je peux pas. Alors, qu'est-ce que ça change ça? Là je peux rien faire avec ce truc, ça sert à rien, je me démultiplie. Je vais tester un autre truc, si lui je le mets là, imagine. Que je peux me le voler à moi-même. Ah si, je peux. Ah, cool. Bah oui, mais oui. T'embêtant. Jusqu'où je peux aller? Si je me mets là. Est-ce que ça va faire ça? Ici. Hop. J'ai tué ou pas là? Ça a marché. C'est bon. Parce qu'au pire, de toute façon, j'aurais fait revenir l'autre. Pour refaire encore ce que j'avais fait là une fois. Allez, on grimpe. Hein.
hors des ténèbres et dans la lumière. Je te vois, cavalier. Les choses que tu as faites, les vies que tu as fauchées. Je sais pourquoi tu es là. Alors donnez-moi la clé. Je protège cette clé depuis des siècles. Elle est à moi. Tu ne l'auras pas si facilement. Pas maintenant. La corruption s'étend. Dans nos cœurs, dans nos villes. Moi seul reste pur. Un flambeau contre les ténèbres. Trop faible pour les repousser. Ce n'est pas mon cas, Harkon. Peut-être pas. Après la rupture des Sceaux et l'invasion des Légions Infernales, maintes reliques ont été perdues. L'une d'elles, le bâton d'Arafel, pourrait m'aider à changer les choses. Je n'ose aller le chercher moi-même. Les portes de la Cité Blanche sont fermées aux anges qui se rendent sur Terre. Mais toi, tu n'es pas un ange. Trouve le bâton, et j'ouvrirai un chemin dans ma citadelle. C'est là que t'attend la clé de l'arbre de vie. Quant à ce qui t'attend sur Terre, quand tu l'auras vu, même toi, tu me diras le nom de War. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'ai été pas mal embêté. Hein. En fait, à la fin de la mini-vidéo, là, qu'on a eu juste avant, y avait un joli bug qui m'empêchait d'avancer, qui faisait planter le jeu à chaque fois, chose qui n'a pas été mise à jour depuis, hein, puisque j'ai réussi à trouver la solution dans des vidéos qui datent d'il y a maintenant plus d'un an, j'ai l'impression. Je vais d'ailleurs remercier, alors je pense qu'elle ne m'ira pas, mais Maeva84 qui m'a donné la solution là, pour pouvoir l'utiliser. Parce que là, vraiment, sans ça, j'étais perdu. Donc encore un grand merci à elle. On va pouvoir commencer et faire évoluer un petit peu le jeu, parce que c'est fou quoi de planter comme ça sur un jeu et qu'ils aient toujours pas mis le jeu à jour quoi. En tout cas, on va pouvoir avancer à deux petites secondes, excusez-moi. Voilà, je suis un peu perdu, je suis en train d'essayer de gérer ça. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui joueront, on sait jamais, hein, sur PC, il faut remettre le jeu en bêta. Et ensuite passer cette cinématique et puis revenir en normal entre guillemets. Tu n'aurais pas dû venir ici. Et non, je n'aurais pas dû, mais je suis là quand même. Il y a un coffre là. Un joli coffre. On va y aller. Mais ouais, ça a l'air d'être un truc connu de beaucoup. Alors, le jeu est pour le coup, lui, pas très connu, pas très suivi. Donc, je pense que ils ont pas fait d'effort, quoi. Mais c'est triste, quand même. Terre. On va repartir sur Terre, là. Ok. Ouais, d'accord. Silence. Il n'y a pas que des cadavres ici. Et des anges. Ouragan ! Les gardiens des enfers sur Terre. Ah.
gardien. À moi. Ah d'accord. Tu m'aides pas ici. Laisse-la tirer. Je peux pas utiliser un truc. Parce que ça me laisse la bêta. Ça me l'a bloqué. Ok. On va refaire comme ça. Voilà, c'était bon. C'est quoi ça? Délivrance. Appuyez sur X pour réaliser une explosion au sol. RT pour utiliser le tir rapide. LT pour utiliser le tir dispersant. C'est un fait. Je reste bien faire même par contre. Ah oui, mais je garde ce truc là dans les mains. Ah mince. Bon, je vais pas le prendre ce machin. C'est... ce truc. Je devrais te tuer pour ce que ton frère a fait, mais je te dois la vie. Nous sommes quittes maintenant. Que savez-vous à propos du bâton d'Arafel? Une arme très puissante, amenée sur Terre par l'Arconestus pour combattre les démons de l'Armageddon. Hélas, ils ont été brisés tous les deux.
Ces fragments servent à présent l'armée obscure du Destructeur. Rien n'est jamais irréversible. Où sont les fragments du bâton? Oh, les Entre fragments les du bâton maintenant. Il a invoqué des créatures de l'abysse, mais également appelé ses élus. Ce sont des abominations qui se partagent maintenant les restes de ce royaume maudit. Les supplices en font partie. Ils se nourrissent des cadavres de ce monde et en font une nuée de chair et d'os, mus par un esprit commun. Ce sont eux qui viennent de nous attaquer. Un seul esprit? Plutôt simple. Je ne mettrai plus de vie en péril pour reprendre ce bâton. Mais si tu tiens vraiment à tenter le sort, suis simplement la piste macabre laissée par mes frères. Tenter le sort? Ce ne serait pas la première fois. Tant que ce n'est pas la dernière. Prends ça. Merci pour la mise en garde. Ça n'a pas tellement plu cette histoire. Uriel, combien d'anges sont morts ici? Beaucoup trop. Mais pour chaque ange mort, un autre reste en vie contre son gré. Et sa souffrance rend le Destructeur plus fort. Tu peux peut-être les libérer de leurs tourments, cavalier. Si vous voulez. Cependant, je n'ai qu'une mort rapide à leur offrir. C'est tout ce qu'ils demandent. Que sont ces élus? Ils n'ont pas l'air de démons. Non. Ce sont des êtres bien plus anciens, venus du cœur de l'abysse. Les plus puissants servent le Destructeur, et règnent en son nom sur la cendre et les eaux. Le reste massacre tout ce qui bouge. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir. Même les morts se dressent contre vous. Tu parles de la nuée? Je n'avais encore jamais vu de créature aussi assoiffée de vengeance. Même la mort ne les arrête pas. Pourquoi êtes-vous resté sur Terre? Uriel, vous avez perdu, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et où veux-tu que nous allions? Tout le monde a vu ce qui s'est passé ici. Nous avons chargé avant que les sceaux soient brisés. Les portes de la Cité Blanche nous sont désormais fermées. Jamais nous ne rentrerons chez nous. Bon. Eh bien, on va essayer d'avancer un petit peu vers un autre là, c'est toujours le même. Il y a des coffres. Je sais comment pour me débarrasser de ces trucs alors. Je peux pas m'en débarrasser. Ouais, non, je peux pas en débarrasser. Ben, je suis pas contre, mais ce truc et je peux pas me débarrasser du fond. Bon, je pense que c'est parce que je suis encore en bêta là. Il va falloir que j'arrête la vidéo ici, je pense, et repartir sur quelque chose de plus long. Parce que là c'est chiant, pas vraiment de se débarrasser. Je sais pas que c'est désagréable comme coup de latte, mais ça me permet pas de... Ça aussi comme type de coup, d'accord. Qu'est-ce qu'il fout là, d'accord.
Ah, ça y est. Bon, allez, je retourne chercher ce que je voulais. Parce que le niveau du coffre, quand même. En plus, c'est très bien. La santé des goules. Prendre une flingue parce que c'est, je sais comment m'en débarrasser. J'ai mis du temps, mais je ne peux pas. Impossible. Ça fait du mal. Ça marche bien. Et donc, la terre, plus chère. Est-ce qu'il y a d'autres anges là? Des bâtons. Là il y en a un mais il est déjà mort là. Pas lui faire. Je peux éclater les voitures aussi. T'es dangereux toi par contre. On a 10 à enlever, d'accord. Ouais, c'est cool. Je sais pas, mais toujours.
Le cochon. Je m'attendais pas à ce qu'il me touche. Derrière, j'ai pas accès. Très bien ça. J'étais bloqué. Je parle au jeu. Quand je suis en train de perdre, je parle au jeu. C'est important. Ça sert à rien, mais c'est important. Donc je pense qu'il faut aller là. On va aller voir un peu ce qu'il y a quand même. S'il n'y a pas de petites surprises. Et... Il y a des tirs partout, hein. Je pense que c'est vraiment une zone qui est faite pour ça. Parce qu'il doit y avoir des anges à tous les coups, il doit y en avoir au moins un. J'entends la griffouiller. Allez. J'ai tiré comme un gland partout et j'ai touché personne.
Ici, je peux remonter. Et là, il n'y a rien. Et étonnant. Pas un seul ange dans toute cette zone. Toute cette zone. Bon, bah écoutez, non. Tant pis, mince. Parce que là-bas, j'ai quoi ? Non, là-bas, je retourne. On va péter ce truc là. Tu meurs, oui. Ça, c'est le bâton. Fragment du bâton d'Araphel. Il y en a d'autres, hein. Combien de fragments d'ailleurs? Comment je vois? Comment je vais là-haut? Est-ce que je peux grimper là? Je peux peut-être le choper par contre. Faut le choper mais plus bas quoi. Ah, c'est sympa ça, ça change pas mal hein, cette histoire de tir là, de flingue. Là, oh là. Bien sûr. Ça va pas non ? De la map, on est rendu où? On est pas loin, d'accord. Là, c'est toute la zone qu'on a déjà faite, donc ça sert à rien de revenir en arrière. Par contre, je vais peut-être m'arrêter ici pour le coup. Allez! Je vais m'arrêter là. Je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous dire à bientôt. C'est bon, on a tout bien nettoyé, c'est tout propre.